Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, la vidéo s'arrête lorsque je tue un joueur pro. Donc là vous allez vous dire sûrement comment savoir que c'est un joueur pro, hormis ceux qu'on connaît, les Andilex, Malibuka, etc. En fait ça va être plus simple, on va regarder le PR. Le PR, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le Power Ranking. C'est un site qui est lié à Fortnite, qui s'appelle Fortnite Tracker. Et en fait par rapport à chaque cup, il nous alloue une partie du PR. Imaginons que vous participez à une finale FN16, vous allez avoir beaucoup de PR. Une finale du Cash Cup, un petit peu moins de PR, etc, etc. Conclusion, on a des joueurs comme Andilex, Malibuka, etc, qui vont avoir des centaines de milliers de PR, et d'autres joueurs moins bons qui vont en avoir peut-être 260. Mais déjà, si vous arrivez à avoir plus de 100 de PR, surtout en ce moment vu que maintenant c'est compliqué d'en avoir, vous êtes déjà très fort. Du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est si on arrive à tuer un joueur qui a plus de 1500 de PR, on pourra le considérer comme pro, parce que ça va dire qu'il a fait soit des finales de Cash Cup, soit des finales FNCS, et que du coup, par conséquent, c'est un joueur pro. Et vous allez voir que c'était pas de tout repos de trouver quelqu'un qui avait du PR, parce que même en Ranked Unreal, beaucoup ne sont pas au niveau. Juste avant que la vidéo commence, ça m'a pris énormément de temps à moi à tourner cette vidéo et au monteur à essayer de faire un banger. Donc s'il vous plaît, merci à tous ceux qui likeront et qui s'abonneront. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Oui, oui, là mon rêve de faire top 1 10 kill. Je trouve un mec qui a plus de 1000 de PR, la vidéo se termine. Je suis le roi du monde. Autre scénario, je lance des games pendant 10 heures. Je suis bloqué dans cette vidéo et c'est horrible. C'est parti, TDG, y a un gars. Dis-moi que t'as 3000 de PR, banni. L'objectif c'est juste de faire un maximum de kills. Le truc c'est que va falloir quand même trouver des mecs chauds quoi. Voilà, on arrive à backstab des fights. Pas paraître quoi, il s'attendait à quoi? Alors, si lui a 1000 de PR, je mange mon chapeau. Ouais, par contre, allez vous faire foutre. J'ai fait quoi là? Ouais, montre-moi ta petite tête. Tu sais pas que j'ai un sniper là. Ah, je vais vouloir escalader. Wesh, Hamilton, tu nous as fait quoi là? Ouais, lâche pas la voiture, Hamilton. L'avantage des streamers, c'est qu'ils sont toujours à chier, donc ça, c'est plutôt un. Un bon plan ça. Putain, mais il y a un bouille. Ouais, chef. Ouh, mon dieu, mais attends, mais là, le poulet que je suis en train de vous préparer pour la vidéo. Mais attends, mais en fait, clipper même ça pour le best-of. Oh, mais je pleure le poulet là. Mentos Prime, la vie de ma mère, il l'a pris à travers l'écran, mais. De manière, j'ai achevé sa famille sur 3 générations là. Il y aura un avant et un après cette balle de snipe pour lui. Attends, mais lui il a pas bougé depuis tout à l'heure. Mais il est sur live, chef. C'est bon, tu peux. C'est bon, on repart là, tu peux bouger. Carrément, il voulait voir si j'avais tué un mec qui a 1000 de PR. Ok, il est crack, ça c'est de la bonne info ça. Je mens pas que là je suis tellement mal, frère, pour fight. J'ai combo vieux pompe into pas de reshield, pas de maths. Ah non, les chefs, je fais. Attends, viens vite, mon pote. S'il te plaît, dis-moi que t'as du stuff. Faudrait que j'appelle ça en fait. J'arrête la vidéo dès que je tue un pro sur Fortnite. Ça puisse. Non, faut que je tue, chef. Zer Central 6, c'est Léo. Léo, s'il est pas parti. Non, mais attends, mais Léo aussi. Non, attends, mais il y a encore une voiture. Vous êtes combien, mes streamhacks, les frères? C'est un streamhacker aussi. Bon, attends, je vous tue un par un. Toi. C'est Azerty Dagoon. Ah non, mais je crois que je te connais. Et toi? En plus, c'est un bon compte. Yeti Love You. Putain, mais vous êtes. Je vous jure que j'ai tué des streamers trop gentils. Vous avez vu, ils sont tout mignons. Ok, maintenant on peut rush. Ah. Un peu moins family friendly lui. Oh putain. Je suis mort. Putain, je mets une bonne balle à la fin. Peter 17. Ah! Bon, je retire ce que j'ai dit sur les streamhackers. Vous êtes pas tous gentils. Heureusement, la plupart sont gentils quand même. Alors, on va quand même regarder. Est-ce que, à votre avis, les streamhackers, ça compte pas en vrai, les streamhackers? Parce que là, j'ai tué que des streamhackers, les trois. On va voir quand même s'ils ont du PR. Ah, non, les streamhackers, vous avez pas. Waouh! Mon dieu! Merci, Seigneur! C'est quoi ça? Ouais, y'en a du bidon. J'ai vu à Belcoin, mais je peux oser venir. Ah bon? Pourquoi t'es pas venu? Ma mère, viens, ça fait trop place quand il y a un abonné. Surtout que moi, ça va, je suis pas une Oxtag, tu vois, y a pas beaucoup de gens qui viennent me voir. Ouais, dis comme ça, on aurait dit une méchante victime, mais. Non, mais attends. Attends, il team up là? Il team up pour me tuer? Ah non, mais c'est un bot! T'es en train de me dire, c'est quoi ce truc de con là? Ok, vous voulez voir une strat? Regardez, clip TikTok. Merde, j'ai loupé. Non, j'ai tiré sur son con de bot. Arrête de faire des escaliers jaunes, con de bot. Il m'a mis un noscope. Le bot m'a mis un noscope. Alors toi, hein, toi si t'as plus de 1000 de PR, hein, je fais un giveaway de ma chaîne YouTube, je pense. Là, j'ai réussi à prendre un noscope par le bot. Hein. Comment rester calme après tout ça? Il m'a vu ou pas? Alors là, on peut vraiment lui faire un prank, mais c'est du rarement vu le prank qu'on peut le faire. Non, il m'a pas vu en vrai.
Prends-t-il le truc? Oh. Merde. Et monsieur a le médaillon. Frère, j'ai deux kits. Comment je vais tempo? On va déguster cette zone ensemble. Hein. Allez, mon coco. Hop là, on prend celle le premier kit. Oh là là! Oh là là! Ah oui, ah oui! Mon dieu, je loupe ça! Ouais, bah oui. Je me suis fait casser le cul! En fait, le problème, c'est que jamais les deux que j'ai tués ont du PR. Ouais. Surprenant. Lui, j'ai arraché là. 1000 vues quand même. 7 de PR. Attends, mais 1000 de PR, y a plus de PR, genre? Genre, un KPR à moins d'être trop. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Genre là, faut que ce soit des mecs qui se collent en finale de Cash Cup. C'est pas le truc le plus simple qu'on ait, non? Là, il suffit que je me fasse streamer avec le mec danse. Je vous jure, je pense que je renverse le bureau. Je sonne celle chez la voisine. Je mets une droite sur GTA RP, hein, la voisine. Très gentille, ma voisine. Ta gueule! Ta gueule! Merci. Je me suis défoulé sur ton corps. Flein Sigma. Valentinstag heute mit meiner Shotgun unterwegs. Oh, il a une pizza. Je hais les gens qui jouent pizza. C'est trop fort. Ça aurait été un. Hello. Copies? Ja, ich bin nicht mehr mit euch. Oh, nein. Oui, oui! SOS. J'ai eu M7S, il a du PR. Ça y est, pas de mur quand il m'a mis la balle de pompe. C'est un pro! C'était mon jeu! Il s'était fait crack, c'était le moment. Je suis mort par un pro. 53 000 de PR. J'ai eu FNBR, c'est lui. Non. C'est fencing là, je pense. Là, je pense que c'est fencing. Non, d'accord, là, c'est fencing. Bah, Reckless, je me dis c'est pas mal, mais je sais pas si les pros vont vraiment Reckless. En vrai, je préfère Reckless quand même. Vas-y, c'est quoi, on va tenter Reckless. Je vais tenter la strat où je prends ça, prends en dessous, et après, je peux aller fight. Plus, on va dire en backstab. Et du coup, en fait, ce qui est dommage, c'est que la strat actuelle, c'est de réussir à backstab un pro en espérant qu'il soit low. Genre. Et en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, quand je faisais chapitre 4, chapitre 3, 1000 de PR, il y en avait beaucoup. Il y a des gens, moi, j'avais 1000 de PR, en mode, c'était pas abusé, genre. Parfait, le fight est fini. Oh, dis-moi qu'il est low. D'où Jésus et que c'est un pro. Non, là je suis trop nul. Là je suis encore trop nul. Ah, pourquoi la strat elle fonctionne pas? Je devais tellement le tuer 1000 fois, putain. Ouais, mets-moi une balle de snipe. Par pitié, j'ai envie de quitter cette game. J'ai envie de crever là. J'ai juste envie de crever. Ah putain, quel jeu de con quand même. C'est quoi cet cas de con aussi, le frère? Ça y est, les balles. Pourquoi c'est quoi ce son de trou du cul aussi là qui sonne pas? Ça fait des. On dirait qu'on sonne chez moi là. Ah ouais, ils sont bons, mais lui, vie de ma mère que lui il va encore avoir genre 3 de PR. Et il m'a crack, je suis mort. Ah, je suis en maths. Vas-y, j'en fais une last et après faudrait que je fasse soit je stream avec du délai, soit je baisse le PR, mais du coup 1000, honnêtement regardez 1000 personnes en a. Je me dis les pros ils sautent forcément en premier, non?
Tu sais, ils s'en battent les couilles, les pros, ils vont pas faire des spawns chelous ou quoi. On tente la première ville, comme des chats. En fait, ça me fait chier parce qu'à tout moment, c'est vraiment genre le plus gros retour de lobby. Parce que tu vois, là, t'es pro, tu vas pas aller à Snooty, non? Pensez les pros, genre les Kaizen, Léo, là, dans ce moment-là, ils vont quand même à Snooty ou ils ont la flemme d'aller à Snooty? Ah, du coup, l'autre me tue. C'est vraiment un bug, hein, c'est tout seul. Ouais, ma gueule, ça peut pas marcher pour tout le monde. Il a rage quit, il a rage quit instant. Les gars, j'ai tué Peter Butt, je crois. Le défi est fini. Putain, mais c'est pas la proc qu'on recherche, lui. Je fais perdre du temps, là. Casse les couilles. Et Spider-Man qui s'enfuit. Mon rêve, un headshot là. Sur un backstab en zone. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse moins parce que là sur tous ceux qu'on a tués. Bon là les derniers que j'ai tués étaient mauvais. Mais sinon ils étaient quand même assez bons. Hein. Et là le dernier, il y en a 2-3 qui étaient quand même forts que j'ai tués. Même celui qui est en live là justement que j'ai tué, je m'attendais à ce qu'il soit fort. Et qu'il ait du père au final il n'en avait même pas. Faut que le mec qui t'a tué 226. Mais tu vois même le mec qui m'a tué, il m'a shiton le mec qui m'a tué. Je me disais le mec qui m'a tué, il devait en avoir pas mal. Il s'appelait comment? Oui sur YouTube. Ouais 226. Après il y en a encore un qui est arrivé. 18 pump. Lui, il était trop nul, frère. Lui, il était trop nul. Mais moi, j'ai aussi été nul parce que j'aurais dû le tuer bien plus vite. C'est lui qui l'a tué? Oh, mon rêve. Merci. 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 C'est pris un gros headshot dans son crâne. Oui, oui, bon. Ok, on est reparti. Cette fois, on trouve notre joueur jour 2. On va le trouver, ce joueur qui a plus de 1000 de PR. On espère en tout cas, parce que si c'est comme la journée d'hier, moi, je me fous en l'air. Hier, le PSG a gagné contre Newcastle. Ça va. Oh, il est haut ce spawn. Top 10 des games qui commencent le plus mal. Il est pas 10ème l'ami. Ok, la strat. Chef. Et t'as un HP. Trop nul le jeu. Ah, trop dur. Unreal DZ. Je suis mort, il est chaud pour me tuer lui. Mais il a combien de vie? NON! NLE.flopa. Ouais, j'ai crié comme un fou. Ah, j'ai tellement de choc là. Allez, on lâche rien. Ok, on va faire la strat du pont, je trouve elle est pas mal. Après, si on part du principe, puisque j'ai dit hier, les pros spawn grande ville, je pense qu'une fois que je serai un peu chaud, faut vraiment que j'aille soit Snooty, soit Fencing, soit Reckless. Snooty, c'est peut-être le mieux hein, pour avoir des pros. Je vais chier mon drop. Ah ouais, en vrai, qu'est-ce que tu foutais, chef? Surtout que moi j'ai troll, j'ai mis une demi-heure. Bon, alors lui, hein, s'il a plus de 1000 de PR, mange mon chapeau là. En vrai, impossible. Je sais pas si c'est utile que j'aille par exemple usine ou backstab là-bas, parce que même au pire, si j'ai des kills, ça m'étonnerait que ce soit des joueurs à avoir 8000 de PR. Alors, après, il y avait un beau fight à backstab quand même. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, faut peut-être mieux que je me stuff et que j'aille carrément backstab fencing s'il reste un gars. Si on prend logiquement un mec qui a 1000 de PR, il est censé m'arracher en fighter. Et hier, on a bien vu quand je me suis fait arracher par le pro. Oui! Oui! Il avait 50 000 de PR, mais dire que ça se rapproche plus que tous ceux que j'ai croisés jusqu'à maintenant. Mon rêve, juste de mettre une balle de snipe à un gars, jouer la 500 de PR. Ou alors aussi, il faut juste que je survive tout le long. Et par chance, le Slayer de la. Et je tue le Slayer de la game, je sais pas. Attends, ouais, je touche, mais.
Je sais pas s'il sait que je suis là. Ouais, il me regarde bien quand même. Il va préférer fuir. Bon, en vrai, au calme, ça m'étonnerait que le mec ait beaucoup de PR. Il y a l'autre qui revient par contre. Lui, ça a l'air d'être un mec chaud. Le mec qui vient d'arriver, je pense pas. Ouais, bof. Je sais pas si ça me mêle le nom des anonymes. Blanc. En vrai, je pense pas non plus qu'on soit corda. Pour l'instant, on n'a pas de mec impressionnant. 31 remain, est-ce qu'il y a un slayer? Après, je pourrais peut-être aller vers fencing en bord de... Ah non, en plus, c'est pas du tout en bord de zone. Parce que j'allais dire, en mode comme ça, s'ils sont poussés par la zone, le mec de snooty et le mec de fencing qui se fight dans l'idée où c'est les deux mecs chauds, je peux peut-être essayer à gratter un kill. Ah, les strats que je dois faire pour tuer un mec à 60 PR, alors qu'au chapitre 3, je l'aurais trouvé en 3 games, le gars. Et aussi, la strat qu'un viewer m'a dit hier, qui est pas con, c'est de prendre une prime et je vais regarder le tracker qu'il a. Imaginez, je trouve une prime, le mec a plus de 1000 et je vais le jouer, genre, ce serait fou en vrai comme combat. Et là, je sais que si je gagne le combat, la vidéo est finie. Je suis enfin libéré de ce calvaire. Ouais, par contre, ouais. J'ai tout loupé là. J'ai tout loupé, je suis mort. Mon dieu, il se prend headshot. 100 mètres. Let's go. Après, il m'a bien all-in donc. Est-ce qu'il est si fort que ça? C'est là encore, je fais une bonne game, mais je pense qu'il y aura personne là pour l'instant qui a 1000 de PR. Peut-être là le mec que j'ai joué du médaillon, mais du coup, c'est pas moi qui ai eu le kill. Fils de pute. Et Lille, je me dis, ce qu'il la joue peut-être... En fait, faut voir si c'est un mec AFK dessus ou si c'est un mec qui va pour fight. Enfin, si c'est un mec qui va pour fight, il doit être chaud. Je suis mort par l'autre au snipe en plus. J'ai voulu l'all-in parce que je me suis dit, je l'ai full back. Ouais, je suis sûr que là, le mec de Sneaky était trop fort. En fait, j'ai pas joué safe pour mes tops. De toute façon, en fait, j'avais même pas de reshield. Oui, oui, oh. Ok, jour, je sais pas combien, on essaye de tuer un joueur pro. C'est parti. Cette fois, c'est le bon jour, je le sens bien. Pourquoi c'est quoi ce bruit de con, là? Non, bah lui, alors lui, hein, s'il avait plus de 1-4 PR, je me fous en l'air. Ouais, bah voilà, on est mort. Bon, après, ça y est, chef. C'est ma première game, je suis pas chaud. En plus, j'ai lag. C'était chaud, mais lui, ça m'étonnerait qu'il ait... Il était pas mauvais, mais bon, il était pas non plus... Oh, encore moins envie de jouer. Ça fait tellement bizarre d'avoir le bruit de l'Aska. Ah, je joue mal. Ouais, je lag par contre. Ok, lui c'est joué. Ok, lui c'est peut-être notre truc, mais là je suis mort en fait. J'ai limite envie de backstab. Enfin, de me barrer. Dommage, c'est pas le mec chaud. Non, il avait un HP, fait chier, je voulais l'all-in parce qu'il est pas de vie. Lui, il était bon en fait. John Crick, bon, est-ce que lui, il avait du PR? Non, mais non, je pense même pas qu'il ait du PR, j'ai juste trop mal joué. Non, zéro de PR. Et les mecs, jamais les mecs que j'ai tués ont du PR. User D24EE7C. Ouais, logique. Et Anton Vichnar. Il avait autant de PR, c'est le mec que j'ai tué. C'est le premier que j'ai tué, lui. Il avait autant de PR que ça. Et le mec, il était trop yes, comment ça se fait? Ah, il fait toutes les cups en fait. Ok, on tente un railways. On tente un retour lobby, on voit ce que ça donne. Dis-moi qui prend cette arme.
Mon rêve, il avait 8000 de PR lui. Au moins 8000 de PR. Aïe. Wesh, y'a un gars là. Oh oui. Merci mon pote. Désolé, je te tue rapidement. Mais Steven. Mais... Oh. Oh mais. Je t'avais même pas reconnu. Attends, toi t'es qui? La danse est folle en plus. Fulu. Non, Fulu, je connais. Voilà, sale salope. Oh, j'ai loupé ma balle. La honte. Ah non, il est champion. Ah mais. Oh la livraison à domicile. Tiens chef. T'es reparti comme un prince. C'est un stream hack ou... Ah oui, c'est un stream hacker. Non, utilise pas toutes tes maths, utilise pas toutes tes maths, laisse les moi. Viens vite, viens vite. Ah oui. Non mais attends, viens, 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 viens. Faut que je te tue chef. Faut que je te tue, faut que je te tue. Au pire, cover moi du snipe, hein, je fais le bot. Viens me cover. Je suis dans une... Quoi coup sauce là. Ah oui. Attends. C'est trop fou les frères. Attends, heureusement j'ai pu me reculer pour mieux sauter. Ah mais il a pas l'air très cool lui. Je sais pas si c'est un mec nice ou pas là. Non vraiment pas du coup. What the fuck, qu'est-ce que ça m'a fait? J'arrive pas à y croire, je l'avais arraché de A à Z. Allez, c'est parti. Est-ce que la première personne qui est Just Enirov a du PR? C'est la balle de Snipe. Potentiellement, il a du PR. Non, ça va bien se passer. Nalga Milox non plus. Emilo SC, je pense qu'il peut. Emilo. Lui, il y a un monde. Lui, il y a un monde. Il était bon. Profil private. Nique ta mère, t'es pas bouga. 17 de PR. Mets pas ton profil en privé, chef. Ah. Pourquoi ça lag comme ça, frère? Pourquoi ça lag comme ça, genre? Là, mais dites pas que ça lag pas, là. Parce que là on l'a vu en 4K 60 FPS que ça laguait. Non, mais chef, je me prends des missiles. Sol air. Je me fais all-in. Ça lag trop, j'ai 0 de maths. Attends, viens me sauver. Cours, cours, cours. Oui. Le taxi. Du team up. Non, mais non, arrêtez. Pourquoi tout de suite voir du team up là où il y en a pas? Ah putain, ah, je peux pas le toucher. Non, vas-y, je dodge. Je dodge et je pouvais pas le toucher. Non. Oh putain, il a loupé sa pizza. Oh relou les gars qui loupent leur pizza. Ah wesh, il a pas d'aim. Il a fait tomber un fiche. Edro, t'as fait rire tout le monde. Non mais non, mais t'approche pas, on va se faire ban pour team up. Mais ça, j'ai besoin de maths. Aïe. Moi j'y suis allé, je suis un peu un truc dessus là. Priest Drur. Imaginez, c'est... Earning 550. Il est où son père? Il est où son père? Il fait tous les events, il a 0 de père. 400, trio cash cup. Tu faisais top 150 en 2019, t'avais 400$. Tu t'avais tellement de... Il mettait tellement de thunes Fortnite en... Enfin, tellement d'earning. Tu pouvais avoir 0 de père, mais avoir gagné de l'earning. Mais le mec, je sais pas si on se rend compte qu'il a... Il a fait top 800 en trio, donc ça reste... C'est pas non plus... Tu vois, ça va. Parce que maintenant, quand il y a un seul lobby, il faut faire top 33. Et après, il a fait top combien en finale? Top 400 ou non, ou top je sais pas combien, 70. Il a fait 400$. Surtout, c'est à dire que 400, c'est à dire que les mates aussi. C'est à dire qu'il payait 1200$ la place. Genre. Je suis tellement mort, frère. Juste imaginez, là, ça se finit maintenant sur un malentendu. Top 1, un retour lobby. Il est en anonyme, la vie de ma mère si je vais pas en replay voir. Vie de ma mère si je vais pas avoir en replay anonyme. Twitch. Rafa Lilo. Toi t'es Twitch, t'es en anonyme parce que t'as des stream hatchers. On va voir, croisons les doigts. Allez, 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 s'il te plaît. 3000 de paires au moins, dis-moi que t'es pro. 36 000 vues. Oui, oui. Enfin.
Let's go. Let's go. On l'a fait. Enfin, frère. OMG. OMG. Mais c'est qui ce gars, genre? C'est qui ce mec? Il est en live en plus, on va voir sa pauvre. On est bien de live. Attends, c'est la première DM. Putain, je le sentais, je vous ai dit. Je vous ai dit, on va aller en replay, je m'en fous, je vais regarder. Ah oui, moyen normal pour y parler espagnol. Pourquoi il joue en France alors? Enfin, sur les serveurs. Ah, il l'a eu en Middle East, le père. Ah, mais ça, je m'en bats les couilles. Il aurait pu l'avoir en Océanie, frérot, sur une autre planète. Il a 26 000 de PR. Europe, il en a. Il fait ou pas, du coup? Mais Europe, il doit trop lagué. Mais même Europe, il a 4 000. 4000 en EU, les frais, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. 1700 d'earning. Attends, mais FNCS, il a fait top 20. Attends, mais j'ai tué une star là. Attends, mais il est même quoi peut-être. Attends, major 1. Dernier round, il devait faire top 15. Et il a fait top 20. Putain, j'ai failli tuer un mec qualifié en grande finale FNCS Moyen-Orient quand même. 24ème, grande finale, 600$. Ah, il a déjà fait des grandes et tout. Oh, mais ça y est, j'ai tué une star. Je suis trop heureux là, enfin. Bon, bah voilà les frères, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je suis trop content, les gars. Enfin, après 5h30 de ranked, c'est enfin fini. Bon, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. D'autres vidéos arrivent prochainement et tout, ça va être grave cool. À jouer sur les maps créées, je joue souvent dessus, et même avec le live, on joue souvent dessus. Et voilà, ciao tout le monde.